J'espère que vous allez bien. Donc on joue en mode dark. Le seigneur des cendres, Aldric. Tu es dégueulasse. Vilaine gastro, hein, dans le cercueil. La légion des morts vivants de Pharaon. Ah, le swag. On est trop balèze. Oula. Ça c'est du lourd. Yorm. Yorm. Oh, il est vénère. Et que va-t-on envoyer pour péter tout ça? Un simple humain. Nous sommes des mortes flammes. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. C'est un peu comme dans les mangas où en fait la fin du monde est proche et on envoie des gamins pour sauver l'humanité. Donc non, on va s'appeler céramique. Comme j'ai déjà un personnage céramique, H D S pour heure du stream. Nous sommes un homme, on est jeune, on est de la classe. Alors on avait dit qu'on jouait guerrier. J'avais dit sur Twitter qu'on jouait guerrier. D'ailleurs j'ai oublié de prévenir Twitter. Alors, pièce d'or rouillé. Est-ce que ça s'utilise ou l'anneau de vie? On a la pièce d'or rouillé qui augmente notre chance de looter des objets, mais je sais pas comment ça s'utilise. Bon, bref. Alors. Au niveau du visage, on va pas prendre trop de temps à vouloir le créer. On va prendre le roturier. On va prendre quelqu'un de robuste.
Musculature musclée. On dirait un porno gay allemand. Salut à toi, viewer. Oh, on voit qu'il prend cher, lui. Et là, c'est le porno Géronto. Ok. On va dire que c'est bon. Allez, on y va. Bon, c'est bien, on ne drop pas de frame. On est bon, mon coco. Et on est dans le noir. The Dark Side. Lève-toi, Siegfried de Dole. Revêtis vite ton armure de Sigma ou de Zeta, je sais plus laquelle c'est dans Asgard. Vite, Siegfried de Dole, revêtis ton armure de Sigma et deviens le guerrier légendaire de la déesse Iris. Elle s'appelle même pas Iris, Polaris. Rejoins l'armée d'Hilda de Polaris. Ok. Ah oui. Hop. Commande de saut rond. Ok, c'est bon. You are dead. Motherfucker. Alors, est-ce qu'on se fait le petit baptême du feu? Il va bien falloir, hein. Ouais, parce qu'il y a cette saloperie là et je l'avais pas buté dans la première partie. Là, j'ai voulu faire mon cacou. Bon, voilà.
Ça a pas été trop compliqué, ça a été. Ça va, hein, il bourrine bien le... Salut Valuxator, et oui, enfin nous sommes partis sur Dark Souls. J'avais déjà commencé un peu, mais hors stream, à monter un personnage, et au final, je voyais que au niveau de l'archétype, ça me convenait pas. Donc j'ai dit, allez, on recommence tout. On est foufou. Et on se fait... un personnage assez simple, hein, on part sur une base de guerriers. Hein. Comment vas-tu, Valuxator? Tu vas bien? Ah, ok, on a un nombre de pièces d'or. Ok, donc nous avons notre feu de camp, premier feu de camp. GG easy. Oh ta gueule. Des petites bombes incendiaires qu'il ne faudra pas oublier de s'équiper juste avant de combattre le boss. Ah ouais. Ah bah moi ça va, hein, rentrer du boulot, j'ai croisé le proprio en revenant, qui pour lui parler des différents problèmes que nous avons dans notre appart, hein, donc ce qui a fait que je n'ai pas pu commencer le stream plus tôt. J'aurais bien aimé, mais... Mais bon... Est-ce qu'on se dit qu'on y va? Eh ben, on dit qu'on y va. Ben voilà, GG easy, hein. GG easy. Ça va, ça a pas été trop dur.
je peux me reposer, je me suis pas reposé auprès du feu. Bon, même si ça ne sert à rien. De quoi tu trouves ça un peu pas trop normal ? Que le premier combat paraisse aussi simple. J'ai déjà eu l'occasion de le faire une ou deux fois avant, donc... Après, la strat du corps à corps... Ouais, faut pas baisser ta garde comme ça, on l'a déjà dit. Ne baisse pas ta garde. Alors... Attends, non, regarde au-dessus. Qu'est-ce que je dois voir au-dessus ? Ah, attends. Ah oui, le fait que tu te sois fait coller et que tu t'es passé 4 heures à pioncer. Oh bah tu sais, après, hein. Les heures de colle, c'est relativement classique, hein. L'éducation nationale. Je vais pas te demander ce que t'as fait pour être collé, si, tu veux me le dire. Qu'est-ce que tu as fait pour être collé ? Oh, fais chier! Et voilà! Ah, le bug sur PC! Ah oui, j'avais pas vu ce message-là, excuse-moi. Par contre, un truc honte, ce jeu sur PC, quand tu approches d'un feu de camp, il faut désactiver les lumières. Tu désactives les lumières du jeu. Tu désactives les lumières du jeu et ça passe. Les effets de lumière. Et le jeu va très bien fonctionner. Mais merde, putain, pourquoi tu donnes ce putain de coup de latte? Je t'ai pas demandé de donner un coup de latte, gars. Bon, je crois que toi, là-haut, on a un compte à régler. Excuse-moi, mon gars, mais on a un petit contentieux.
réponds bien. Oh, tu es balèze. Ah ouais. Ça devrait pas exister, ce genre de bug, tout à fait, hein, mais après, tu sais... Moi, bossant dans l'informatique, je sais qu'il y a beaucoup de contraintes liées aux différentes configurations. Il y a sur des machines pour lesquelles ça marche, il y a des machines sur lesquelles ça ne marche pas. C'est très difficile de faire des patchs qui optimisent tout. Je pense que ça ira vraiment beaucoup mieux quand tout le panel informatique sera passé sous Windows 10. Ouais, c'est bon. Les autres là-bas, ils sont pas arrivés. C'est pas grave. On va pas les embêter. Par contre, Jean-Michel Bigleux. Ouais, non, mais ça va être corrigé, hein. Ne paniquons pas, hein. C'est certain que ça va être corrigé, faut pas paniquer. Et merde! Merde! C'est pas grave, on va le buter. Alors on bloque déjà contre lui, mais on a un super katana à récupérer. Je jouerai pas du tout ce katana, mais on le récupère quand même. C'est tout, c'est comme ça. On s'en fout de die and retry. L'important, c'est de masteriser. Alors si je prends comme ça, est-ce que j'ai un coup? Est-ce qu'il a un coup spécial? Ah oui, oh oui! Je ne sais pas ce que ça fait. Boum! Boum! Et ça fait boum boum. Ça fait boum. Ne bouge pas, je te dis. Mais merde, mais va te faire enculer. C'est très désagréable. Ah oui, oui, non, mais là, on... Mais on va le buter, hein. Ah, c'est con, on avait deux bons coups. On avait balancé deux grosses attaques bien violentes. Mais ce n'est pas grave, ne paniquons pas. On va totalement le masteriser, hein. Il faut combattre le vieux maître. Accepte de mourir. C'est con, hein, parce que si ça se trouve, on va passer toute l'heure du stream.
à ne faire que ça. On est dans la merde, on recule. Bon. Ah oui, le but c'est de le platiner, hein. On en est loin. Mais c'est pas grave. Il est vraiment tout sauf temps de paniquer. Donc on a deux, trois petits... Attendez, on va modifier deux, trois petites choses. Changer. Mais non, je veux que tu sois dans mes... Bon, allez, hop. Ici, je te veux, grenade. On va le défoncer à la grenade. Ta gueule. Définitivement ta gueule. Oh, fais chier. Non. J'ai utilisé toutes mes grenades. Est-ce qu'on peut le parier? Tiens, on va essayer. On va essayer de ne pas perdre nos âmes en route. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'on pourrait revenir. En mode, on s'emmerde pas avec tout ça. Mais... Voilà,
On est un peu du genre force et honneur. Surtout qu'en plus, au début, on avait la braise, donc on pouvait être plus puissant. Ok. On a essayé le pari. On a fait le pari du pari. Ça a foiré. Oh, la cloche sacrée du clerc, ben voilà, tiens, on aurait pu faire... On aurait pu lancer des flèches. Bon, c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus simple avec le pyro, hein. Mais saute! Mais putain, il a pas sauté! L'esquive qui n'est pas passée quand je l'ai voulu. Il y a un moment, j'ai esquivé, ça a pas sauté. Non, bien sûr que non, il n'y a pas de niveau de difficulté. En New Game Plus, c'est un peu plus difficile, il modifie les choses. Mais sinon, il n'y a pas de niveau de difficulté. Bon, comment je le fais? Est-ce que... Oh là 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 là, fait chier, et puis en plus j'ai perdu mes âmes super loin, mais j'ai envie de récupérer son katana, faire le GG easy. Et on arrêtera le stream pile poil au moment où on aura fini cette partie là. Ça serait parfait. Je veux la victoire. Je veux lui piquer son katana. Oh oui! Oh le pari! Parce que lui aussi il maîtrise le pari. Oh 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 oh! La violence a un nom. Mais nous avons peut-être une solution. Ah, attention, on va se les jouer à la fourbe. Vous allez voir, c'est... Ça va être très astucieux. Ça va nécessiter un timing incroyable, mais... Oh là là, putain. Mais vous allez voir. Ah non, 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 alors là, par contre, rien ne se passe comme prévu. Parce que je veux au moins récupérer mes âmes, bordel, 10 000 âmes de perdu. Ah! Oh.
Allez, tout nos niveaux de départ, on les a perdus. Oh putain, là je suis en rage. Je suis en mode furieux. Wingardium Leviosa, là, je... Oh putain, 10 000. 10 000, c'était les 5 premiers niveaux, quoi, qui passaient comme ça. Allez, 5 niveaux supplémentaires. C'est pas encore trop grave, hein. Des âmes, ça gagne, ça se gagne, ça se perd. Mais là... Bon, au moins, on récupère des petites âmes sur le côté, hein. On va pas ne pas pex... Comment je suis de tristesse. Mais non, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Ah, salaud. Ouais, et pourtant... s'est fait avoiner. Mais alors là, la gruche. Ah, le plus mauvais joueur de Dark Souls, le gars au tout début serein, il bute le premier boss, GG easy. Et après, il combat... le shinobi et... Non, pas le shinobi, le maître ninja, bah non, pas le maître ninja, le samouraï de l'éternel. Les âmes, c'est ce qui te fait gagner en XP. En fait, tu dépenses après tes âmes pour acheter des levels d'expérience. Ok. Alors, il a l'enchaînement qui tue. Oh putain, merde. Si je m'attendais à ça durant le stream, à me faire défoncer comme ça. Oh, mais là, c'est du viol, quoi, et sans capote. Ouais, on bute le premier mob, tranquille, on se dit, ouais, voilà, tu vois, j'ai du skill. En fait, que dalle. Au moins, on a des petites âmes qui traînaient par terre, qu'on récupère, qu'on pourra utiliser après, qui vont compenser un peu, mais... C'est dérisoire par rapport à ce qu'on a perdu. 10 000 âmes au départ, c'est énorme, hein. Limite, on dit on recommence, quoi. Mais non. Mais oui, putain, allez. Salut Dardaril 42. Ah oui, oh, j'avais même pas fait gaffe que j'étais pas mort à ce moment-là. J'ai cru qu'il m'avait tué, qu'il m'avait one-shoté avec... Alors, on vient de perdre 10 000 âmes comme un gros sac ici, là, en ce moment. Et c'est la folie, hein. C'est le combat contre le samouraï fou, quoi. Contre le maître d'armes pour récupérer son katana. On en a rien à foutre du katana. Mais on le veut le buter. C'est tout l'intérêt de Dark Souls, tu veux buter tout le monde. Ah mais il est très très violent, hein. Normalement j'aurais dû passer mon chemin et...
et revenir après, quoi, mais... C'est tout, quoi, c'est le courage du guerrier. Maman, je survivrai. Ah putain, puis la fuite panique. Ah non, on ne peut pas abandonner sans l'avoir vaincu. Et on rage déjà, bordel. Mais bon, c'est ça qui est bien dans Dark Souls. Alors là, vous pouviez regarder cet après-midi, il y avait un stream de Yamato. Où il te faisait le jeu, il dit, on va essayer de faire le jeu en moins de 8 heures. Avec le katana, moi j'ai vu ça et j'ai dit challenge. J'ai dit challenge, je joue pas au katana, mais je veux le katana. Et avec mon pyromancien, je l'ai eu, hein. J'ai un peu galéré, on va pas dire non plus que c'était le GG Easy. Mais putain, même toi tu t'y mets, toi aussi mon fils. Putain. Damn it. Ah oui, c'est un très bon jeu. Bah, après, qu'est-ce qui fait que c'est un très bon jeu? Après, c'est pas... Il est bien fait, et c'est juste une difficulté. C'est juste parce que le jeu est difficilement faisable. Mais qu'il est faisable. Voilà, voilà, allez, hop. Un deux coups de katana à peau. Fais chier, fais chier. Bon... Ah non, 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 on ne lâche rien, ne te laisse pas avoir, Sarah. Ne te laisse pas avoir par la facilité de dire « Oh, on reviendra plus tard ». Après, c'est vrai que tu lui fais pas très très mal, hein, mais... Il faut que tu utilises ta volonté du berserker, quoi. Mais... Oh oui, alors là, ils sont tous réveillés. On est... La Funky Family. Là, ça sent mauvais, déjà, le try. Non, non, j'avais fait Dark Souls 1 de fond en comble, et j'avais fait Dark Souls 2, juste une traite. Après, c'est vrai que le gameplay se rapproche plus de Bloodborne. Putain, on lui donne un coup, le gars, il recule même pas. Le gars, il a pas bougé d'un steak, hein. Coup de hache dans la gueule, sobre, paf, katana derrière. Non, on va la voir. Je vais quand même pas me laisser poutrer par ça, quoi. Alors après, on me dit, oui, mais avec le pyromancien, ça irait beaucoup mieux. Bah oui, avec la magie du feu, et on a déjà en plus une fiole d'estus qui est faite pour récupérer sa mana. Déjà, vous, j'ai pas du tout apprécié ce que vous m'avez fait tout à l'heure. Voilà. On a des âmes vacillantes, c'est pas grave, on récupère... On récupère quand même du... des petites âmes à consommer, qui vont nous permettre quand même de gagner de l'expérience. Ça, c'est des objets qui ne se perdent pas quand on meurt. Ah bah oui, quoi. Bien sûr que je connais la Funky Family, mec. Je les connaissais avant que tu naisses. Il
Laisse-moi. Sérieux? Ah mais Dark Souls 2, c'est vrai que si tu le trouves à petit prix en édition complète, ouais, pourquoi pas, mais Dark Souls 3 est directement mieux. Limite, sinon prends-toi un Bloodborne. Prends-toi un petit Bloodborne, tu seras un gameplay qui se rapprochera vraiment de Dark Souls 3. Merde. Alors, on va tenter autre chose. C'est-à-dire qu'on est encore voué à l'échec. Autant vous dire que l'échec est là. Comme les pains. Les pains, l'échec est là. Il faut juste être patient. La patience nous fera remporter ce combat. Sérieux? La roulade contre le muret! Enculé! Ce n'est pas grave. À l'heure, alors vous allez payer. Patience. Putain, il est 19h34 quoi. On est à 10 minutes, un quart d'heure de la fin et on l'aura pas battu. Ok, le petit coup de pommeau, il a tout compris à ce que j'étais, hein. Allez, il est à nous.
On n'a plus de chance là. On y était presque, on y était presque. On a juste eu un mauvais enchaînement à un moment, mais on peut le faire. Et je suis même sûr qu'on va le faire. Je ne sais même pas jusqu'où nous avons marché. Il va me la mettre là-bas, à côté encore. Genre, je suis obligé d'accepter ton duel. Ah bah non, j'ai... Oh putain! On perd totalement... la dimension spatiale du truc, hein. Allez, viens! Viens te battre si tu es un homme! Maître fou! Eh bien. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Non ! Non ! Non ! Allez, on va l'avoir. On va l'avoir. Le problème, c'est qu'à un moment, j'ai pas du tout mis ma garde et on s'est pris un bel enchaînement dans la gueule.
Et là, je me dis, c'est bon ce coup-ci, on le pète. Ok, bon. T'as voulu te la jouer comme ça? Mais non, mais à des moments, ça veut te taper. Ah, c'est pas grave. Là, on s'est fait avoiner, mais c'est... Il a fait le bon pari, putain. Ah, c'est ça, c'est le maître Yi. Non, mais c'est bon, on va la voir. Ne paniquons pas. C'est tout sauf le moment de paniquer. Il est 43. Meurs. On va la voir. Ouais, ouais, je sais, je connais. J'ai joué un tout petit peu, j'ai même pas atteint le niveau 30 à League of Legends. Mais je connaissais le personnage. Puis après, il y a pas mal de mèmes sur lui, donc... Ok, bon. Ça, c'est... Je ne maîtrise pas du tout l'esquive. Hein. Je ne maîtrise pas du tout l'esquive. Alors, on va aller rechercher nos points. Et on va être obligé d'avouer notre échec parce qu'on peut pas s'arrêter là pour un premier stream. On le retente une dernière fois. Allez vous faire enculer! Bien cordialement. Alors, il y a des moments où il se réveille, il y a des moments où il se réveille pas. Ça...
J'étais pas serein au niveau de la vie. Allez, on va l'avoir, on va l'avoir. On est serein, on est ferme dans le poignet. C'est bon. Le GG. Le GG. On a passé... Ah bah voilà. On a persévéré et on y est arrivé. C'est ça Dark Souls. Il ne faut rien lâcher. Bon, je vous avoue, vous allez voir, hein, la plupart des joueurs l'ont passé sans problème. Hein, je suis un gros sac. Mais bon, après, quand même, hein. Oui. Pourquoi d'un coup, vous, qui ne bougez pas en temps normal, vous vous réveillez? Et je sens encore une grosse saloperie qui va me tomber sur le coin de la gueule. Voilà. Il y avait encore toi qui traînais sur le côté. Bon, je pense que là, on les a tous eus. Ok, c'est bon. C'est bon, on est en sécurité. Welcome to the bonfire. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. Alors, on reviendra après pour le niveau supérieur. Insérer l'épée qu'on a eue sur le boss précédent. Et maintenant, nous avons notre hub. Donc là, en fait, on va pouvoir commencer à voyager juste après. Ah non, mais d'abord, hop. Hop. Ah. Et voilà, madame. Mais... Ah. Excusez-moi un instant. Excuse-moi.
Oui, il fallait tuer un boss. En fait, c'est le tout premier boss du jeu. Il est pas hyper compliqué, mais... Disons que la première fois que je l'ai combattu, avec mon premier perso, ça a été compliqué. Mais après, ça a été. Alors, comment je fais si je veux... Alors, hop. Inventaire. Je vais là et je fais... Je vais en utiliser 10. Hop. Ok, on peut toutes les utiliser d'un coup. Hop. Et on va prendre du niveau, niveau supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on doit augmenter ? La vitalité, la dextérité et la force. Hop, hop, hop. Je peux passer à 20 force. Et après, on peut se rajouter un point dextérité. Voilà. Au moins, là, on devient un peu plus OP. On va faire ça. En vitalité, on a à peu près ce qu'il faut. Voilà. J'ai bien dépensé tout ce que je voulais. Ok. On va aller voir les différents personnages présents. Et après, nous arrêterons ce premier stream, hein, où en final, nous aurons eu quand même notre GG Easy. Ça m'aurait fait chier qu'on n'arrive pas à finir sans buter ce samouraï, hein. Ça nous aura coûté 10 000 âmes, hein, mais... Don't you think? Mais bon. Alors, normalement, il y avait un gars ici, mais il est pas encore là. Je l'ai découvert qu'après. Donc là... on va aller voir... Courcoulem, le chien du forgeron. Mais d'abord, il y a lui. Donc, tout le monde nous appelle Morte Flamme. Ne tape pas les gens. Alors, vendre objet. On a déjà une écaille de titanite, hein, donc on va pouvoir augmenter. Ça, on vend. Ben voilà, le katana, hein, donc attaque des stocks, il faut de la dextérité, on a ce qu'il faut en force. Surtout quand c'est une gentille femme. Elle ? Ah oui. C'est une femme. Bon, les cloches, on en garde une. Hein. Elles sont pas très malines, les cloches. Hein. Ça, on s'en bat la waisse. Hop, et on va changer le bouclier. Et lui faire... On va lui vendre... notre bouclier. Tac. Voilà.
Et là, le forgeron. Qui était déjà présent dans Dark Souls. Je sais pas s'il était dans Dark Souls 2, je me rappelle plus. Moi, c'est André. Ce sanctuaire, c'est mon lieu de travail. En bon forgeron, j'y bosse sur des armes. Vous cherchez les seigneurs des cendres, j'imagine. Le voyage ne sera pas de tout repos. Il vous faudra des armes dignes de ce nom. Oui, c'est vrai, ça choque. Je suis forgeron, c'est mon boulot. Alors, on s'en fout complètement d'avoir de la magie. Est-ce que je peux renforcer ma hache? Qu'est-ce qu'il me demande? Ah oui, après on peut imprégner notre arme pour qu'elle devienne plus bourrue. On n'a rien à réparer. Je n'ai pas d'arme à renforcer, donc... Allez, prenez soin de vous et prenez soin de mon boulot, hein. C'est de la belle ouvrage. Mais oui, mon gars, ne t'inquiète pas. Bon, c'est vrai que par rapport à Senran Kagura, quand on découvre un personnage féminin comme ça, qui porte la couronne trop basse, en fait, elle a récupéré la couronne du Seigneur du Feu, elle l'a posée sur sa tête, mais comme le Seigneur du Feu avait une plus grosse tête, ça lui tombe sur les yeux, et c'est pour ça qu'elle est aveugle. Et voilà. Et on va voyager vers Grand Mur de l'Auric. Mais oui, c'était magnifique. Et je vous fais voir juste la prochaine zone, qui nous promet aussi de grands moments de rigolade. Tac. Alors, c'est bizarre. Je ne reconnais pas du tout cet endroit. Yeah, on va allumer le feu. Est-ce qu'il y a un feu ici? Voilà, vous avez vu, il faut casser des caisses, hein, c'est comme Mario. Faut taper dans les briques. Voilà, et après, bah, qu'est-ce qui nous attend au niveau ennemi? Donc, alors, on a le dragon mort avec des gars qui prient là-bas. Et ici, il y a aussi des gars qui prient, mais il y a aussi des gars moins marrants et des chiens qui se baladent. On va aller vite fait faire un tour ici, hein. Mais vraiment vite fait, hein. Là, on a le premier gaillard. Mais... j'ai vraiment un problème de perception des distances. Aussi. On a eu du pot. Et là, il y en a un caché. Là,
Et ça, on peut pas le récupérer aussi facilement. Pardon. Bon. On devrait pouvoir accéder là après. Ah oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle un tout petit peu. Alors, utilise tout de suite une fiole d'astuce parce qu'en fait, si tu vas là... Regarde, dragon! Il suffit juste de faire ça. Et bim! Et si ce dragon qui était là, supposé mort? C'est-à-dire que maintenant, je peux aller là. Ou est-ce que ce n'est pas le même dragon? Ah, ce n'est pas le même dragon. Ça aurait été trop simple. A plus, Valoux. Et merci d'être passé. De toute façon, on va arrêter d'ici 2-3 minutes. Hein. C'est la fin, c'est imminent. J'ai pas l'intention de mourir. On va récupérer juste ce qu'il y a là. Pas dire le contraire, on y a laissé des plumes. Qu'est-ce qui nous attend? On a un feu de camp qui doit pas être très loin en fait après. Hein. On va aller jusqu'au prochain feu de camp et on arrêtera. Oui, il y a un point, il y a un feu de camp là. Voilà. Donc attendez. Hop. On fait ça et on va tout de suite aller retourner. Voyager. Sanctuaire de Lichefeu. On prend notre level et on arrête. Voilà, hop. Inventaire, on a des petites âmes et tout ça, c'est quoi? Ouais. Thank you.
si sans âme. Est-ce que là, avec ça, il veut me renforcer mon arme? Parce que limite, ça, ce serait pas mal. Renforcer l'arme. Mais monsieur Potter, il n'y a rien de meilleur que la bière au beurre. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut deux fragments de titanite. Pretty, be careful. Near far, forever you are. Titanite. Ah, how. Mais j'ai pas du tout la magie nécessaire. Combien j'ai en... Oh, mais j'ai juste assez en intelligence. Ah bah c'est très gentil. Bonne soirée. Bonne soirée, Dark Daryl 42. Est-ce qu'on pourrait acheter ça et limite ça nous ferait un petit peu de distance? Plus on a la cloche. Allez, go. Est-ce que tu vas me dire quelque chose par rapport à la possibilité? Ok, c'est bon, on peut augmenter la vitalité. Hop. Équipement, et là, en deuxième arme. Ah, il me demande plus. Oui, mais bon, ça, on s'en fout. Moi, je veux lancer des sorts. Ah, je n'ai pas du tout accès. À la possibilité de lancer des sorts, à moins que... Ah bah, je me suis fait baiser. Ok. Je veux baiser 2000. Ce n'est pas grave. Eh bien, merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain à 18h45 pour une nouvelle heure du stream. Merci beaucoup et bonne soirée.